C'est bon, joyeux Noël! Ah, vous avez cru que je rigolais quand je vous disais que j'allais publier le jour du 25? Bah non! Joyeux Noël à tous! Et pour ceux qui ne fêtent pas Noël, joyeux 25 décembre à vous! Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode et dernier de New Year Holiday Special. Je tourne littéralement à la suite du premier, qui lui a été tourné et sorti le 1er décembre. Je me serais acheté un calendrier de l'Avent, bien évidemment. Hein, non pas que je respecte les traditions, que je sois chrétienne ou quoi, mais juste que j'ai mangé comme une grosse du fat chocolat sa mère. Du bon gros chocolat tous les jours. En plus, j'aurais probablement fait la grosse et pris genre un Milka ou un truc comme ça. Ah, il y a un truc qu'il faudra que je teste dans ma vie. Le rêve de tout enfant, de non pas avoir un calendrier de l'Avent et un chocolat tous les 25 jours, enfin tous les jours pendant 25 jours, mais d'avoir bien 25 calendriers de l'Avent et donc 25 chocolats par jour pendant 25 jours. Ça pourrait faire les murs de ma chambre. For real. Ok, donc ce niveau. Les chip chip. Flank chip chip. Encore une fois, ça me rappelle The Second Reality Project Reloaded. Dernière fois, on s'était quitté sur des musiques qui me rappelaient d'autres hacks. Et comme je tourne exactement d'affilée, j'ai pas du tout regardé. Ah. Je suis aveugle. Ah non. Donc il y a un tuyau quelque part. Hein. Ah, tuez-moi. Si c'est ça, franchement, je me tue. Ok, c'est pas ça. Du coup, la dernière fois, on s'était quitté sur des musiques qui me rappelaient des certains hacks que j'avais vu ou fait. Je suis en train de me demander un truc. Je peux pas passer en dessous. Oh non! Tue-moi, tue-moi, tue-moi. Il me faut le pingouin en fait. En fait, comme j'étais en pingouin, donc j'allais par au-dessus, donc évidemment je voyais pas ce qu'il y avait au sol. Là, c'est entièrement my bad. Hein. J'ai tout foiré. Du coup, voilà, j'espère que vous avez que vous passez un bon Noël. Si vous regardez cette vidéo en retard, j'espère que vous passez un bon réveillon. Et sinon, si vous regardez cette vidéo vraiment longtemps après la sortie, j'espère que vous passez une bonne journée. Voilà. Autrement, bah désolé. Et du coup, j'espère que à Noël, si vous fêtez Noël, que vous avez eu tout plein de cadeaux,
et que vous avez offert des cadeaux, parce que c'est aussi ça qui est important pendant les fêtes. D'expérience, je vous jure qu'on peut être beaucoup plus heureux en offrant quelque chose de sincère qu'en recevant. Je vous jure que c'est vrai. Du coup, voilà. Pour ma part, Noël, je tourne à l'avance, donc je sais pas trop encore, mais je sais déjà que je vais avoir quelques trucs dont je vous parlerai dans la vidéo qui sort bientôt pour vous, mais longtemps, dans longtemps pour moi. Vidéo que je sortirai vers le 10 janvier. Oh. Vidéo qui sortira vers le entre le 10 et le 15 janvier et probablement le 14 en fait et qui expliquera pas mal de choses à propos de ce que je ferai sur YouTube et Twitch en 2020. Qui expliquera pas mal de trucs sur, sur moi, qui vous montrera mon setup aussi, parce que j'arrive pas du tout à me rappeler c'est quoi comme musique. Oh genre. Bon. Donc on va first try le 1-5. Non, j'arrive pas du tout à me rappeler ce que c'est comme musique. Par contre, c'est terrible. Elle y était dans New World, ça, par contre, ça c'est sûr. Voilà. Du coup, donc dans cette vidéo qui sortira, attends. 25 décembre. Dans 2 ou 3 semaines. Je vous parlerai de certains trucs par rapport à la chaîne, de mon setup. Ce sera probablement dégueulasse parce que filmé au téléphone. Parce que j'ai pas de caméra. Voilà, alors ce setup est toujours incomplet. Il me manque des trucs qui sont un peu essentiels dans un setup. Telle qu'une caméra. mais je vous présenterai déjà ce que j'ai utilisé jusqu'à présent, ce que j'utilise actuellement, que j'ai changé mi-novembre. Je vous parlerai de certains trucs qui vont arriver dans le setup. Et je pense que le prochain truc que je m'achèterai, ce sera une cam. Ou alors que j'économiserai pour m'acheter un meilleur boîtier de capture. Parce que mon boîtier de capture actuel, il est bien. Mais il a un problème. Enfin, il a pas un problème, il a un point faible, voilà. Et j'en parlerai dans la vidéo setup. Et honnêtement, je vous le dis. Je vous le dis. Comme je compte devoir sortir. Voilà, j'ai bégayé puissance 1000 là. Comme je compte sortir cette vidéo le 25, non, je vous le dis pas, vous l'avez déjà vu. Mais il y a probablement une vidéo qui est déjà sortie. Donc, si vous êtes dans le. Si vous pouvez voyager dans le temps et que vous voyez cette vidéo au moment où je la tourne, la formule adéquate serait plus je vais tourner et vous sortir avant le 25, du coup, une vidéo qui. C'était sûr. Si elle laissait une ouverture, c'était sûr. Une vidéo qui vous parlera de mon setup actuel, de choses qui vont arriver, et du coup, la vidéo du mi-janvier sera une mise à jour. Et je vous parlerai déjà un peu de cette vidéo qui arrivera en mi-janvier. Et je vous parlerai de certains trucs qui doivent arriver avant la mi-janvier, et j'aurai besoin de vous pour certains trucs. Là, je me demande si je vais pas aller tourner cette vidéo juste après là. Parce que voilà.
Ah, du coup, on touche déjà à la fin, hein. Il ne reste plus que deux niveaux. Triste. Triste, triste. Alors, le monde 1-6. Voilà. D'ailleurs, wow! Le switch a pas disparu. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Oh, c'est bâtard ça. Il fallait tout simplement se mettre sur le bord et bien timer son saut pour sauter au moment où le switch s'arrêtait. Donc le mur sauter au moment où le mur à droite disparaisse et pour qu'on ait. Oh ta mère. En vrai, y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen sans le pingouin, il y a moyen les gars. Et c'est là que ça va être chaud. Ok, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, monsieur. C'est comme ça qu'on fait quand on veut casser un jeu. Bah, en vrai, casser un jeu, plus ou moins, parce que je pense qu'ils ont mis les carapaces pour qu'on le tente. Mais je pense pas que ça soit si simple que ça. Là, ça va, j'ai réussi à arrêter toutes les carapaces. Et j'ai réussi à bien gérer mes positions sur la zone pour faire en sorte que les Koopas respawnent. N'empêche que je pense que si t'y vas comme un bourrin et que tu butes les Koopas, ou alors que tu vas trop loin et qu'ils respawnent plus, je pense qu'il y a moyen que tu sois dans la merde hein, sur cette petite étoile là. Ce niveau était vachement court. Il n'était pas sur une grande zone, j'ai l'impression. Enfin bref. Et du coup, le dernier niveau du hack. Bon alors c'est un mini hack hein, c'est eux-mêmes qui l'ont appelé comme ça. Du coup alors ça. C'est une musique. Soit de Yoshi's Island, soit de Luigi's Mansion, soit de Paper Mario. Attends. Ah, en fait, les plateformes, c'est des triangles. Vu les tableaux, ça m'étonnerait pas que ce soit de Paper Mario. Si tu peux retour, c'est bizarre. Ah ouais, carrément. Oh, c'est chelou.
coup, je pense que la dernière, ce sera la 9 qu'il faudra prendre. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on va avoir un boss custom ou pas? Ah, d'accord. Non! Oh non, je sais ce que c'est la musique! Ah, oh, putain, excellent! La musique, c'est Mario et Luigi. Alors, les frères du temps ou Voyage au centre de Bowser, je sais pas. Je dirais les frères du temps parce que cette musique me marque beaucoup trop et j'ai beaucoup plus joué aux frères du temps qu'à Voyage au centre de Bowser. Oh putain, il était excellent. Ce jeu là, il faudra que je vous le fasse. Enfin, ces jeux là, il faudra que je vous les fasse parce que ils sont beaucoup trop bons. Waouh, c'est bon. Du coup, oh oui, oh oui, ah oui, 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 oui. Donc c'est une musique de Mario Luigi, hein, pour moi. Oh, la décevance. La zone est cool. Bon, bah voilà. C'était... compliqué. C'était pas très très compliqué. Come back. May this holiday season be filled with peace, love, happiness and a little bit of gaming heaven. Thanks for playing and see you in New Super Mario Bros. Wii. New routine. Alors, traduction. Que cette saison de vacances, donc que vos vacances de Noël soient remplies de paix, d'amour, de joie et un petit peu de gaming. Merci d'avoir joué et rendez-vous dans New World Super Mario Bros. Oui, signé la New World Team. Merci la New World Team. Non, on a déjà fait New World. Voilà. Eh oui. Bon, alors, hein. Voir maintenant custom. J'imagine que les deux niveaux seront bloqués. On va sauvegarder évidemment. Musique de base, j'imagine que les deux niveaux sont juste bloqués et que c'est même pas des musiques custom. Ça m'étonnerait, hein, ça m'étonnerait. Ah, quand même! 0,001% de customisation parce que c'est pas la musique normale de ce niveau là. Ah, oh non! Ils ont pas fait ça! Bon. C'est le jeu original! Ils ont pas bloqué! Alors, honnêtement, ça c'est une erreur parce que j'ai déjà joué à des hacks. Où il n'y avait qu'un seul monde et où derrière c'était le jeu original. Mais là, je veux dire, t'as bloqué le canon. T'as bloqué le 2-1. Et tu laisses le niveau original sur le 2-2. C'est moyen quand même. Alors tu vois que... pareillement, j'ai déjà joué à un hack où en fait il y avait des spikes de neige qui sont pas dans le jeu original. Et ce niveau là était aussi le niveau original. Sauf que ce niveau là était le niveau original, mais c'était les spikes originaux.
En fait, là, ce qu'ils ont fait pour faire avoir des specs de neige, c'est qu'ils ont pris le sprite du Spike de base et ils lui ont mis une boule de neige à la place de sa boule de pique. Dans le hack auquel j'avais joué, ils avaient carrément créé un autre mob en fait. Voilà. Alors, soit ils t'ont fait un faux espoir. Et vraiment, c'est des génies, parce que s'ils ont bloqué ce niveau-là, c'est des génies. Soit ils ont vraiment laissé le jeu original derrière, et je suis quand même un peu déçu. Je suis quand même un peu déçu. Ah, je peux pas quitter. Une dernière chose, pour voir à quel point ils ont custom, on va retourner dans le monde 1. Oh, il a lagué. Oh, il a pas aimé. You spin me right round, baby, right round. Donc ils ont custom la plateforme du monde 1 dans le choix de niveau. Pour voir à quel point ils ont custom, on va se faire les maisons, enfin la maison champion et la maison étoile. Hello, here's a holiday present for you, Mario. Alors déjà ce texte-là est custom, ça veut juste dire bonjour Mario, voici un cadeau de Noël. Est-ce que c'est les panneaux surprises? Ah, tu connais. Allez, on se fait un memory. Une chance sur trois. Ah, alors, de toute façon, j'aurais tapé la Bowser. C'est pas du tout celle qui était sous la première Bowser que j'avais envie de taper. Les faux. Essayez de collecter toutes les pièces étoiles de ce jeu. Il y en a 24 en tout. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Je les ai eus. Alors voyons voir. Est-ce custom? Le texte et c'est une étoile. Ok. Bon bah les amis. J'espère que ce hack vous aura plu. Moi, il m'a plu, en vrai. Ça m'a occupé pendant 1 heure. ça m'a occupé pendant 1 heure. Vous, ça vous aura occupé pendant un jour. Pas pendant un mois. Du coup, j'espère que vous passerez des bonnes vacances de Noël. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes. On se revoit en 2020. Je vais continuer à upload ce qui me reste à upload, à savoir 2 ou 3 épisodes de Newer, deux épisodes de Newer, et oui, c'est la fin, et Rush to the End pour ceux qui regardent. Je sais pas s'il y a du monde qui regarde, je crois pas avoir autre chose à upload. Si, j'ai tourné quelques épisodes d'Animal Crossing New Leaf à l'avance et j'ai Saints Row 3 à upload. Il faut que Sycamore se réveille. En tout cas, voilà. Moi, je suis super contente de vous avoir balancé ça. Bah oui, du coup, c'est un jeu, c'est un niveau du jeu original. C'est la Tour du Monde 3, ça. On va se laisser là-dessus, tiens. Du coup, en fait, voilà. Au niveau des Let's Play en 2020, il y aura du Mario, il y aura du Zelda, il y aura du Pokémon, il y aura du Saints Row. Et je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait des licences qu'on n'a pas encore vues. Là, au cours du mois, je vais probablement être amené à tourner du Battlefield.
Je vous en dirai plus sur l'épisode en question si je tourne. Si je le tourne en fait. Et sinon, voilà. La vidéo qui va donc arriver. Je pense qu'en fait elle va arriver le premier jour. Je pense que je vais la tourner là, aujourd'hui, le 1er décembre. Voilà. Donc, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un futur let's play. Sur ce, au revoir tout le monde.